Père et grâce, bon Dieu, Aver, n'a pas invité à l'Assemblée à chanter avec nous le cantique 46 français des recueils du Mélodie Joyeuse. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Et tout de suite après, nous vaguons la prière d'ouverture par le pasteur Junel Attis. Humblement nous posterner devant majesté ou assoya, oh Dieu. Non pas digne, Seigneur, pour nous être là, oh Dieu. Mais grâce nous permettre que nous rejoignions ensemble, oh Dieu, assoya, dans une soirée spéciale, ça, oh Dieu. Une soirée qui dédie, oh Dieu, à l'ordination, oh Dieu, et de plusieurs frères entre nous-mêmes, oh Dieu, pour Jacques, Jacounaise, évangéliste, oh Dieu, papa, qui vient pour prendre fonction, oh Dieu, très prochainement, Seigneur. Oh, c'est vous-même qui dit, Seigneur, maçon en grande, mais manqué ouvrier, oh Dieu, manqué bras, oh Dieu, vous demandez pour nous prier, mettre moisson, hein, pour le capable voyer ouvrier, oh Dieu. Eh bien, nous devons merci à soya du fait que vous voyez ouvrier dans mi-temps, nous, oh Dieu, papa. Oh, pour faire tâche là, pour faire travail là, oh Dieu. Pasteur seulement, il est insuffisant, oh Dieu, pour faire travail là. Tâche là vraiment nombreuse, hein, oh Dieu. Nous besoin de monde avec nous, oh Dieu. Oh, alléluia,
mettre tête ensemble avec nous, oh Dieu, pour capable faire travail là, oh Dieu. N'a pas à soya, oh Dieu, pour capable poser saut, oh Dieu, sur chacun de eux-mêmes, oh Dieu. On va poser saut, oh Dieu, oh sous Jack et Silas. On va poser saut, oh Dieu, sous Jack Gary. On va poser saut, oh Dieu, oh sous Jack Maslin. On va poser saut sous Jacques Velouze. On va poser saut sous Jacques Gigi, oh Dieu. Et on va poser saut sous Évangéliste Enoch, oh Dieu, papa. N'a demandé une onction spéciale, oh Dieu, papa. Connaissant onction, oh Dieu. Oh, yo insuffisant, oh Dieu, pour yo faire travail là, oh Dieu. N'a demandé, oh Dieu, va faire provision, oh Dieu, pour yo même. Nous connaissons pas jamais relayer au monde sans qu'on pas faire provision. Puisque c'est vous-même qui relayez vous pour tâche là, oh Dieu. N'a demandé, va approvisionner, oh Dieu, pour yo capable faire un travail qui est excellent, oh Dieu, dans l'assemblée, oh Dieu, papa. Nous nous remercions, oh Dieu, nous remettons service là dans la main. On va prendre contrôle service là pour nous-mêmes. Béni tout ça que va faire, oh Dieu, à soi, Seigneur. Tant prie, prends place dans la mi-temps, nous. C'est comme ça que nous prions. Nous pas prions parce que nous sommes bons et dignes, mais nous prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Merci, asseyez-vous. Dans le moment ça, on a fait place à la sœur Jocelyne Lowor, qui va aller chanter en sélection pour nous. La sœur Jocelyne Lowor. Dieu bénit nous. Nous voulons chanter pour la gloire de Dieu.
N'a pas invité l'assemblée à mettre le debout pour la lecture de la parole de Dieu que nous va joindre dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 3, les 13 premiers versets en français par le diacre Bassiani excellent et en anglais par le diacre Lotus Turenne. Comme précédemment m'a annoncé, la lecture de la parole de Dieu se fera dans 1 Timothée, chapitre 3, les 13 premiers versets. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe pas sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobre, fidèle en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. The word of the Lord will be found in 1 Timothy chapter 3, verse 1 through 13. And it reads, "Here is a trustworthy saying. Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace or into the devil's trap. In the same way, deacons are to be worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. They must first be tested, and then, if there is nothing against them, let them serve as deacons. In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. Those who have served well gain an excellent standing and a great assurance in their faith in Christ Jesus." The word of the Lord.
Nous capable chita. Nous fait place tout de suite à un quatuor qui pour aller présenter nous en sélection. Ben bon Dieu avec nous. Non, dis bon Dieu, merci à Soya pour grande opportunité que le bon nom pour nous capables. Dis bienvenue avec tous les collaborateurs, collaboratrices qui rejoignent nous dans le champ. Que bon Dieu capable fortifier nous, garder nous dans le travail. Là. Nous allons chanter à la gloire de Dieu. Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La seule ici-bas, c'est la moindre.
moi sera le salut et la félicité. La semaine d'ici bas, c'est la moisson. Fait place aux représentants du comité administratif de l'Église dans une présentation spéciale. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons Seigneur merci. Et pour le travail que l'a fait après-midi ça, soit ça, moi campé là dans un moment ça au nom du comité de l'Église pour nous capable faire une présentation qui est très chère à nous-mêmes, qui est très important pour nous. Je n'ai pas décidé l'autre membre dans le comité à qui avec qui là capable d'approcher, joindre avec moi, s'il vous plaît. Frère Salonie a pas avancé. Nous camper pour deux membres dans le comité A qui a transitionné de comité A à Diakona. Alors ces deux membres-là, c'était deux poteaux solides qui étaient dans le comité A. Et déplacement
l'a marqué en pile dans le comité. Et de ce fait, nous avons jugé le nécessaire pour que nous soyons capables de faire une présentation avec vous. Nous avons deux plaques pour vous. Malheureusement, les plaques ne sont pas là, mais après le service, nous avons eu. Ce qui est important, c'est que ces deux frères-là, nous avons un frère Silas, qui s'était sous-trésorier dans le comité. Frère Silas a fait un travail excellent. Dans la présence, dans l'administration, dans la responsabilité que tu as gagné, il a fait un travail excellent. Et je ne vais pas manquer, monsieur, en pile. En tant que secrétaire, il a eu l'autre rôle encore de jouer dans le comité. C'était partie spirituelle dans le comité. Côté que lui planifié moment de prière, il y a signé moun qui pour lui prière là chaque deux vendredi deux fois par mois. Il pas de jamais raté yon le. Et dans position parler comme sous-secrétaire, te font bon travail. Nous pas ta quitter frère Silas déplacer dans comité pour la joindre Jacques sans que nous pas présenter une plaque pour lui pour nous montrer comment que nous reconnaissons envers travail lui. Côté il va mettre plaque ça chaque temps regarder lui il va au travail que il te fait et que travail il pas en vain. Plaque frère Silas là il dit comme ça. Certificate of appreciation presented to brother Silas Charles in recognition for your outstanding and dedicated work as a member of the administration committee of MOC. Your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. MOC committee, March 21st, 2022. Maintenant, Frère Polius, Frère Maslin. Frère Maslin, c'est parti trésorier dans le comité à qui il a joué, c'est Wall Sal qui a rempli. Frère Maslin, nous ne connaissons pas qui nom que nous avons utilisé. Nous ne connaissons pas qui nom que nous avons utilisé pour nous montrer l'appréciation nous et comment que nous sommes contents de tout le travail que Frère Maslin a fait. Yo. Parfois, il est capable de penser que nous ne apprécions pas le travail. Là. Mais non, nous apprécions le travail. Là. Frère Maslin, de son côté, c'est un monde qui passait des heures de temps dans le travail. Lorsque le moment arrivé pour nous présenter le rapport, il compte 2 heures du matin, 3 heures du matin, Frère Maslin dans l'office, là, la préparer le rapport. Parce qu'il voulait mettre sûr que le travail a fait. Et ça qui manque plus, c'est que parfois, quand il y a un snow dehors, et nous, tout là, quand Frère Maslin était loin, il compte là, bien tard. Alors, nous connaissons pour bon Dieu qu'on va travailler, mais ça fait aller au-delà de nous-mêmes en tant que l'homme. Sacrifice ça que vous faites. Nous-mêmes, pendant qu'on va déplacer au papa avec nous, encore nous voulons que vous connaissez que nous apprécions le travail. Et de ce fait, nous voulons honorer nous tous deux après-midi ça, pendant que nous allons déplacer à joindre Jacques Bassani. Vous voyez deux mondes très précieux, très. Nous avons travaillé avec Jacques Bassani, nous connaissons que nous toujours continué le même travail. Là. Donc, maintenant, nous que nous sommes capables de camper. Vice-président, nous sommes capables d'avancer devant Frère Silas, après Maslin. Paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Gloire à Dieu, plaque qui est venu à temps. Et nous excusez-nous, ça va faire nous mal pour que nous seulement lions et puis nous ne baillons pas vaillant et haut ça, plaque d'honneur, signe d'appréciation. Alors, Frère Michel, j'ai déjà lu plaque Frère Silas, après, on lit encore, tellement nous apprécions
Frère Silas, qui a quitté nous, mais nous connaissons, c'est un grade libre, nous comptons pour lui. Brother Silas Charles, certificate of appreciation present to Brother Silas Charles and recognition for your outstanding and dedicated work as a member of the administration committee of MOC. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Pastor Masléan lui dit, certificate of appreciation presented to Brother Marcelin Polius in recognition of your outstanding and dedicated work as a member of the administration committee of MOC. Your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15, verse invité à l'Assemblée à mettre le debout avant que nous tendions le message de circonstance là. Nous allons chanter le cantique 217 du recueil des chants d'espérance en français. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui ont les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir et sous ma bannière combattre et mourir. Moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui ont les entraves du pauvre pécheur, comme la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi dit le maître, mon cœur et mon bras, Jésus. Ça nous fait place à Pasteur Monel Fleurimont. C'est lui-même qui va délivrer pour nous le message de circonstance. Amen.
La paix de Dieu soit avec vous. Et pour respect de la parole de Dieu, nous invitons qu'on capable mettre debout. Et nous allons faire lecture de la parole de Dieu dans deux portions de l'Écriture. Ayons que nous joignons dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Et nous allons lire pour nous-mêmes les trois premiers versets. Et nous allons lire un verset pour nous-mêmes dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5. Actes 6, verset 1 à 3. Et 2 Timothée 4, verset 5. Nous lisons. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes s'en murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude dans des disciples et dit : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. De Timothée 4, verset 5 dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Parole du Seigneur. Merci à vous. La paix de Dieu soit avec vous pour une seconde fois. Moi, je voulais remercier Dieu premièrement qui ba nous opportunité ça pour nous réunir avec candidat nou yo qui pour aller ordonner après-midi hein, et nous souhaiter yo bienvenue. Après-midi hein, nous t'a remé partager quelques mots de conseil et de formation avec candidat nou yo et qui pralé initier yo officiellement dans le diaconat et dans le ministère d'évangéliste. Le diaconat c'est un ministère de service. Bien-aimé sa yo qui ici, yo appelé pour yo servir. Et yo doit prendre notre Seigneur Jésus-Christ comme modèle par excellence nous. Dans Marc chapitre 10, le verset 45, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Jésus déclare clairement, il n'est pas venu pour moun servir, mais il était venu pour servir moun. Et nous devons aussi prendre Jésus comme exemple et nous devons servir à l'instar de notre Seigneur Jésus. Il y a plusieurs ministères dans l'église locale de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, verset 11, nous lit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Cependant, pour que ces cinq ministères
capable de remplir facilement le rôle, est nécessaire pour nous pour gagner d'autres structures en place pour aider dans cinq ministères. Le diaconat, c'est une structure que les apôtres te mettaient en place pour aider eux. Parce que moisson est grande, te manqué ouvrier. Y a besoin d'autres mains pour être capable d'aider yo dans le travail ça. Et la Bible explique clair comment que moisson est grande. La Bible dit nous nombre des disciples yo te vin augmenter à tel point que vin gagne un problème qui vin exister entre verbe hébreu et verbe grec. Ça a créé gros problème et ça a venu trop pour les apôtres. Et c'est raison ça, dans le passage, côté me souhaite pour même dans l'acte des apôtres, chapitre 6, il y a une institution que nous relie le diaconat. Diakio partait seulement là pour faire la distribution des nourritures aux veuves. Selon ça que nous soutenons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6. Mais nous jouons que c'était des diacres qui étaient aussi fait ça que était relé service d'accueil dans les réunions d'adoration et de louange. Nous joignons que c'était un service qui existait déjà dans les synagogues le jour du sabbat pour recevoir les visiteurs. Ça y est, qui t'a recevoir moun, ça t'a déjà existé dans les synagogues le jour du sabbat. Et service ça pas porté titre diacre. Les ont fait li dans synagogue yo. C'était les apôtres officiellement qui étaient relé le diaconat qui te signifie service sacré. Raison de faire li yo relé service sacré. C'est parce que ces personnes-là que les apôtres ont choisi, ils ont fait ça, ils ont relé imposition des mains pour les gens qui pourraient servir dans le diaconat. D'après ça, que nous lisons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6, le verset 5 et 6. Diakio était là aussi pour aider dans les services sacerdotales. Parce que en service dans culte d'adoration, yo paté jamais confié li aux laïcs. C'était des hommes, des femmes qui consacrés pour ministère ça. C'est pas comme Jean Noël jodi hein, tout le monde a dirigé, tout le monde a prêché, tout le monde a fait une série de travail sacerdotal dans l'église, et pas comme ça. Il y a des diacres qui étaient toujours là, et diaconesse, c'est eux-mêmes qui étaient en charge pour ouvrir service, c'est eux-mêmes qui étaient en charge pour faire lecture de la parole de Dieu. Les diacres et les diaconesses étaient là pour aider aussi les visiteurs et les personnes âgées pour trouver une place dans les services d'adoration, de prière et de louange et pour t'assurer l'ordre et discipline dans l'église.
les diacres et diaconesses, yo doué gagner un yeux qui constamment et bien sous chair lan là côté que pasteur yo apôtre yo évangéliste yo chita au moment yo service afin que pour yo capable communiquer et avec Dieu yo avec pasteur qui en charge et pasteur responsable lan qualité embarrassant et paraît l'aide pour pasteur responsable lan qui chita sous chair lan pour y déplacer de temps en temps pour accueillir les visiteurs et les personnes âgées au moment yon kil. So diakyo et diakones yo, c'est yo même qui te connaît fait ça et bien nan service yo même gens li te konn fait nan synagogue yo pasteur yo ki sou chair lan toujours et gen yeux sou diakyo et diakyo gen yeux pour yo toujours a communiquer les services les yo gen un service d'accueil et des personnes qui entrent parmi yo gen des c'est tout moun a entré l'église là mais parmi yo gen des dirigeants qui entrent donc qui besoin maintenant en fait une sorte de salutation quelconque parce que parole bon Dieu dit recevoir prophète là en qualité de prophète et c'est ça qui fait que nous ouais lorsque Paul t'est entré dans l'église dans t'est entré dans le jour du sabbat et dans en church de Pisidie c'est parce que t'es gagné un service d'accueil qui te recevoir les patrons ni t'entrer comme ça l'idiochita il choisit pour chita mais te gagné un service d'accueil qui te recevoir li et mettez le chita et en qualité leader et bien en monde qui t'a fait service d'accueil là te gantant fait chef synagogue là si qu'on a gagné deux personnages importants qui là qui dans salle là et Il fait nous connaître dans Acte des Apôtres, chapitre 13, le verset 13 à 15. Eh bien, chef synagogue là, tu voyais un monde qui t'a fait service d'accueil, dit avec Paul et Barnabas, si vous avez quelque chose pour adresser avec le peuple, vous êtes capable de faire ça. C'est là que nous trouvons que le service d'accueil là, tu existais déjà depuis un temps. Service synagogue le jour du sabbat. Les diacres et diaconesses doivent être toujours présents dans les cultes. Et nous voulons répéter ça pour tous les diacres, nous, les diaconesses qui pourraient entrer dans la charge, pour qu'ils connaissent ça. Nous devons être toujours présents dans les cultes, toujours présents dans le service. Ce pas forcément pour tout diacre là et diaconesse, mais la présence d'un diacre dans chaque service doit être présent. Il est important pour toujours gagner un diacre ou bien un diaconesse dans le service. Et la Bible m'a demandé pour que l'Église, les fidèles, gagnent respect pour diakyo, gain respect pour les anciens. C'est pourquoi à soir, non seulement nous avons en détail comment que les diacres et les diaconesses doivent en servir, mais nous demandé aussi avec l'Église pour respecter yo. Nous demandé avec l'Église pour un support pour eux-mêmes pendant que yo au service de eux-mêmes. Et vous-même, vous devez gagner ça que vous avez la déférence pour vous-même. Vous devez gagner une considération respectueuse pour les diacres qui ont desservi. OK, l'Église? Et c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est parole bon Dieu qui m'a dit ça. Nous sommes tendés en diacre en Bassiani qui sont à qui sont libres pour nous-mêmes,
dans 1 Timothée chapitre 3, il est arrivé dans un verset côté, il dit diacre qui remplit ministère, les anciens qui remplit ministère, pasteur, évêque qui remplit rôle bien, yo mérité respect et compréhension. Et nous voulons l'église de Dieu, mon des oliviers, comprendre ça. Quand travail qu'il y a faire là, c'est à votre service que vous avez. Vous comprenez nous, vous faites des sacrifices pour vous-même, vous priez pour vous-même, et vous-même aussi, et vous devez comprendre. Vous ne pas comprendre tout. Vous ne pas demander d'autres choses que sinon respect que vous besoin pour vous-même. L'apôtre Paul tellement allé loin pour faire l'église connaître comment que vous devez respecter les leaders, les diacres, les pasteurs. Lui-même arrivé, nous connaissons surtout dans l'église haïtienne, parfois il y a un petit parler sous dos pasteurs, un petit parler sous dos diacres, un petit parler quelquefois il y a quelques accusations même que vous mettez. L'apôtre Paul dit Pigan, personne moun on prend à la légère pour accuser un ancien. Et la Bible dit clairement, si un moun accuse un ancien, il doit gagner évidence li claire. Li doit gagner un témoin oculaire de sa de accusation qu'il pote. Et si pas gagner deux ou trois témoins oculaires et accusation non, leader qui responsable pasteur responsable là, il doit exhorter ou bien reprendre sévèrement un monde qui pote une accusation contre un ancien selon ça que nous lit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 19 20. Et l'apôtre Paul allait plus loin. Il dit les n'a prend mesure ça contre un monde qui a porté accusation contre un ancien, nous devons faire li en public afin que pour l'autre yo capable gagner crainte pour yo pas prendre chance porter une accusation si yo pas gagner en deux ou trois témoins oculaires de ça que yo dire là. Donc c'est très important après-midi hein, pour nous souligner ça devant tous les membres de l'église de Dieu, mon des oliviers, que ces cinq bien-aimés là pour aller desservir comme diacre et diaconesse. Pour évangéliste, et nous gagnons un frère Enoch qui nous pour aller aussi ordonner comme évangéliste. Évangéliste, c'est un monde que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a appelé. Évangéliste là, il a appelé pour lui semer la parole comme une semence sans tenir compte du terrain. Et nous t'ai dit ça, nous t'ai partagé ça avec eux séparément, les nous t'a enseigné eux, formé eux. Nous répétons encore, nous dit un évangéliste, c'est un monde qui a appelé pour lui semer la parole comme une semence sans tenir compte du terrain. Qu'il dit, que terrain dit, que terrain gain wash, que terrain gain piquant, qu'il c'est bon terrain ou bonne terre, ça, il pas revient avec évangéliste là pour le connaître, qui terrain qui bon, qui terrain qui en réceptif à la parole de Dieu, il doit s'aimer la parole. Chant que notre Seigneur Jésus-Christ décrit lui dans Matthieu chapitre 13, le verset 4 à 8, nous tout connaissons parabole ça. Côté lui dit un semeur sorti pour semer et l'aile sorti pour lui semer, le bien lui voyait semence à gauche à droite. Et une portion dans semence là tombée le long du chemin. Une portion tombée dans un endroit qui pied eux. Une portion dans semence là tombée
dans un endroit qui est épineux et une portion tombée dans la bonne terre. A remarquez bien, ce meilleur-là lui-même, il n'y a pas qu'on est rôle, il travaille, c'est Dieu, s'aimer. C'est ça simplement le fait, il s'aimer. Il n'y a pas choisi en tel côté pour lui s'aimer, tel endroit pour ne pas s'aimer. Ça, c'est pas rôle, il fonctionne, rôle lui-même, c'est s'aimer. Quel que soit côté, semence l'a tombé, il voyait semence. C'est ça que Jésus-Christ a besoin d'expliquer. Eh bien, même Jean a gagné plusieurs types de terrain que Jésus-Christ expliquait dans la parabole là. Eh bien, nous voulons faire qu'on ait gagné plusieurs types de cœurs aussi qui recevoir la parole là. Les évangélistes là, après aller by parole là. Ou pas besoin qu'on ait dans cœur ça, parce que la Bible présente nous cœur de l'homme comme un terrain dans la parabole là. Ou même en tant qu'évangéliste, ou pas besoin qu'on ait qui cœur qui a recevoir la parole là et qui cœur qui pas recevoir la parole là. Dieu à bout, c'est by la parole. C'est raison ça que la Bible dit nous pour ne pas faire acception de paix de personne, ni garder personne comme souillé. Selon ça que nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 28. Quel que soit mon nom, quel que soit façon dont tu es habillé, que ce soit façon dont tu es coiffé, quel que soit façon dont tu es paraître devant Dieu, quel que soit sorte qu'on ait de lit, quel que soit nombre de mariages qui t'ont fait, quel que soit genre crime qui t'ont fait, quel que soit bagaille qu'elle t'ont fait, ça c'est pas Dieu pour juger. Dieu c'est bail la parole, sans acception de personne. Et c'est ça que parole bon Dieu dit à moun. Qu'il relaie pour remplir le ministère d'évangéliste. C'est Dieu bon. Il est tellement allé loin. Jésus-Christ, dans même Matthieu chapitre 13, lui comparé évangéliste en tant qu'un pêcheur poisson. On va pas aller prêcher poisson, mais on va le prêcher non. On va le prêcher non. Lui comparé évangéliste là en c'est il gagne la parole dans meni tant qu'il y a un filet. Donc ouais moun k'ap al pêché yo avec filet. Eh bien yo évangéliste son moun qui servit avec parole là tant qu'il y a un filet que li voyé dans la mer. Il a envoyé un filet dans la mer. L'aura le filet là tout ça que filet là joine, li prend yo. Li prend yo. Et jusqu'à ce que ou tire filet là dehors, nous qu'on habitué vivre ça, et les filet là ou fin mettre le dehors, ou garder où est, il y a poisson là-dedans, il y a bon poisson là-dedans, il y a mauvais poisson là-dedans, il y a fatra là-dedans, il y a toute qualité. Jésus-Christ ben parabole là pas sans raison non. Cela veut dire que en tant qu'évangéliste, lorsque ou aller péché nom pour notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu à bout, c'est voyer la parole comme filet et râler tout ça qui entre dans filet. Et ça parole là, tout ça qui entre dans filet là, c'est râler, pas faire triage. Jésus-Christ dit dans parabole là, triage là pas dans main. Parce qu'on pas connait cœur. On pas connait la vie monde. Tout ça qui vient, depuis que laissé l'entrée dans le filet là, c'est râler le menin vini. Il est venu, même le pasteur qui est mené tout le monde dans l'église, Jésus-Christ n'a pas le pasteur le droit pour le faire triage. Il n'a pas le droit pour le faire triage. Il doit prendre soin de tout le monde. Dieu pasteur là ça nous lit dans la Bible doit prendre soin tout le monde sans exception de personne même lorsque
Li ta gade nan zye pa li en tant que leader, en tant que pasteur. Li ta vle ouè genye sa yore le livre. Diob li. Jésus-Christ dit parache livre. Il pa balo pasteur la autorité même lorsque ouel semblé livre ou ta vle rachel ou dit ça c'est livre que lié. Jésus-Christ dit laisse livre. Grandi avec blé. Moi même l'aime vini, m'va retirer livre mais ou même ou pas gain droit. Pour qui raison? Parce que nous c'est l'homme qui limité. Pendant la prend façon pour nous retirer livre, nous ca racher blé tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ mettait nous en garde. Vous c'est évangéliste. Nous mettez parole en Jean qu'il mettait, il doit y devant. C'est pas un job facile. Parce qu'il y a tendance pour nous juger. Il y a tendance, ça nous est avec Dieu nous. Bien aimé, il y a quelques bagailles, Dieu nous va capter nous. En vrai monde, c'est Jésus-Christ qui connaît. Et Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous saisissons l'occasion ça, après-midi, pour nous parler ensemble avec l'évangéliste nous, qui va aller initier dans un ministère très délicat. Et nous avons une chance pour nous parler avec Diacre nous aussi, qui va aller desservir l'église de Dieu, Mont des Oliviers. Nous souhaitons que ces paroles-là soient capables d'aider nous en quelque sorte, et pour que nous soyons capables de remplir le ministère selon la volonté de Dieu. Et côté au dernier jour, Dieu va dire bon et fidèle serviteur, nous t'es fidèle en paix de choses. Venez et réjouis dans la place que nous t'es préparé pour nous-mêmes de la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Dans moment ça, on a fait appel au pasteur Donald Luxama et pasteur Wani Manassé qui va présenter nous les candidats à l'ordination et consécration. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons aller présenter biographie nos bien-aimés qui sous peu aller recevoir la main de collaboration, d'association et ordination. Yo gen un parcours, yo gen un passé, yo gen une famille. Nous pour aller lire biographie yo. Et gen en pile que nous capable dire de la vie yo. Mais ça qui est plus important le m'a réfléchi. Par-delà de tout français nous capable parler de yo même. C'est qui impact yo fait dans la vie chaque grain de monde qui n'a assemblé a m'pa besoin feuille ça yo m'ka fait mes yeux moins pour moins dit impact que chaque bien-aimé ça yo fait sous la vie moins et m'kwè nous chaque là nous gon bon témoignage nous ka bay de yo même et n'a demandé à notre bien-aimé frère Enoch Charles Faustin pour lui capable mettre le debout so nous capable ouais de qui est n'a parlé frère Enoch Charles Faustin
est né d'une famille chrétienne. Il a reçu Christ dans sa vie à 14 ans. Il fut plongé dans les eaux du baptême à l'église baptiste Bethel des Gonaïves en juillet 1993. Ayant répondu à l'appel de Dieu dès sa tendre jeunesse, il a œuvré au milieu des loups dans l'évangélisation et a laissé ses traces à l'église du Nazaréen des Gonaïves. En décembre 1999, il s'unit pour la vie par le mariage à la sœur Ange Rosanne Faustin. En août 2001, il fut diplômé de l'école biblique et théologique. Il a présidé l'Association des évangélistes du troisième millénaire de 2001 à 2005. Il s'est affilié à l'Église de Dieu Mont des Oliviers en 2005. Il est fondateur du groupe d'évangélisation de l'Église en 2008. Il est prédicateur de l'Évangile. Il est moniteur de l'école du dimanche. Il coordonne les activités évangéliques présidées par le pasteur Wani Manassé depuis 2019. Il a travaillé comme délégué spécial du défunt pasteur Charles Réjouy à l'Église de Dieu d'Antioche pour un soutien spirituel et administratif. Amen. En peu de mots, c'est comme ça nous présenter notre bien-aimé frère Enoch. Amen, amen. We're going to do the same thing in English. So for those who, frère Enoch, we're just going to ask you to stand. And just to translate what Pastor Donald shared on the front end, we're going to read the biography of each of the candidates tonight, our deacons, deaconesses, and evangelists. But we don't have to read the paper here, because we can judge the tree by its fruits. Amen. Each one of these individuals have made a big impact, not only on your lives, but on the lives of us as pastors as well. So the first person that we have is Brother Enoch Charles Faustin. Brother Enoch, born into a Christian family, received Christ at the age of 14 and was baptized, immersed at Bethel Baptist Church in Gonaïves in July 1993. Having responded to God's calling from his tender youth, he worked among wolves in evangelization and left his mark at the Church of the Nazarene in Gonaïves, Haiti. In December 1999, he was united for life by marriage to Sister Ange Rosanne Faustin. Nous ne connaissons pas ce Rosanne là, il est campé pour nous. Ce Rosanne, please stand so that we can see you. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Everyone see Sir Wazan. In August 2001, he graduated from Bible and Theological School. He chaired the Association of Evangelists of the Third Millennium from 2001 to 2005. He joined Mount Olives Church of God in 2005. He is the founder of the church's evangelization group in 2008. He is a gospel preacher. He is a Sunday school teacher. He has been coordinating evangelical activities since 2019, and he was also the late Pastor Charles Réjouy, special delegate to the Antioch Church of God for spiritual and administrative support. Brother Evangelist Enoch Faustin, God bless you. Amen. Gloire à Dieu. Notre deuxième candidat, c'est notre frère Gary Hilaire. N'a demandé pour le mettre debout. Amen. L'ICTI élève nous dans la Gédéon. Et bien-aimé, m'a témoigné respect que notre bien-aimé frère Gary Hilaire qui bâtit relation nous. Sou toujours tande me dit m'remen vive à chrétien. Moun sa yo forcé me dit ça pour respect qui établi dans mitan nous. Frère Gary Hilaire reçut Christ comme sauveur à un très jeune âge. Il fut baptisé en 1983. Il devint membre de l'Église de Dieu Mont des Oliviers en 1999 et en tant que témoin de la vérité du Christ, il s'engagea à adorer avec sa famille d'une manière agréable au Seigneur. Marié avec la sœur Raymonde Hilaire, le couple a trois filles, Kéliane, Dorothy et Brianna. En 2014, il s'enrôla au groupe Soldats de Christ, au sein duquel il fut élu membre du comité aux élections de 2016. Il est membre actif de la chorale de l'Église de Dieu Mont des Oliviers et du groupe d'hommes témoins de l'agneau. Il sert l'Église actuellement comme directeur des services de louange. C'est ici notre présentation
pour notre bien-aimé frère Gary Lair. Amen. We present si ce remonte là, n'a pas de pour le mettre debout tout. OK, amen. Amen. We present to you brother Gary Lair. And before I read it, I would say that every church needs a brother Gary Lair. Amen. He is someone that's always encouraging and encouraging us in the ministry. And he has a wonderful family as well, and I know God is going to use him mightily in his work. Brother Gary Lair accepted Christ at a very young age and was baptized in 1983. He joined My Olive Church of God in 1999 and has committed himself to worshiping with his family in a manner pleasing to the Lord and as a witness to the truth of Christ in the world. He is married to Sir Raymond Lair. He also has three beautiful girls, Kellyanne, Dorothy, and Brianna. In 2014, he joined Soldat de Christ and became a committee member by election in 2016. He is an active member of the church choir and singing group Témoins de l'Aïeul. He currently serves as a worship service leader, Brother Gary Lair. God bless you. Amen. Dans ce moment, on a demandé notre bien-aimé, frère Silas Charles, pour mettre les deux pour nous. Et frère Silas Charles et sa famille, c'est une première famille que moi j'ai rencontrée dans New Jersey. Nous avons marché dans même l'église. C'est une famille exemplaire. Moi j'ai un long parcours avec frère Silas. Nous pas bien temps pour nous parler de ça. Mais c'est un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Frère Silas Charles fut baptisé en août 1996. Il devint membre de l'Église de Dieu Mont des Oliviers en 2004. Il a occupé des postes différents au niveau de l'Église. Premièrement, il fut élu au comité de la jeunesse en 2009 et a servi comme conseiller du comité 2009-2011, vice-président 2018-2019 et membre 2020-2022. Il est marié à la sœur Lucette Charles. Le couple a trois filles, Stacy, Sarah et Gabi. Frère Silas Charles est un enseignant dévoué de l'école du dimanche depuis de nombreuses années. Il est aussi directeur de louange, il est prédicateur, il est membre de du comité exécutif de l'Église et du groupe d'évangélisation. Il est membre du comité de l'Église, c'est déjà dit, et membre du groupe 100 Strong for Christ, membre de l'équipe de distribution de nourriture aux nécessiteux, surtout pendant la période pandémie. Et frère Silas Charles est membre du comité administratif de l'Église. C'est ici notre présentation pour notre bien-aimé frère Silas. Applaudissez. Amen. I think Pastor Donald skipped like four pages. Nous get quatre autres pages sur Frère Silas, mais nous pas getta, I swear. We're not going to have time tonight, but Brother Silas, you are truly a man of God. You've been very active in the ministry, and it is a blessing to see what God is doing in your life. Brother Silas was baptized in August 1996. He became a member of My Olive Church of God in 2004 and held positions at various levels of the church. He is married to one woman, Sir Lisette Charles, and he has three beautiful girls, Stacy, Sarah, and Gabby. If they are here, if they can stand up so that the church can see the family, amen. He was elected to the youth committee in 2009 and served as counselor to the committee 2009 to 2011. He was vice president in 2018 and 2019, and as member 2020 to 2022. Brother Silas Charles has been a devoted Sunday school teacher for many years. He is a worship leader. He is a gospel preacher. He is currently a team executive member of the evangelization group being led by Evangelist Enoch. He is a children church executive committee member. He is a member of 100 Strong for Christ. He has been extremely instrumental as well over the last 24 months with the food distribution during the pandemic. And Brother Silas serves as an appointed church administrative committee member.
Brother Silas, may God bless you. Amen. Amen. Kounyea n'a demandé notre bien-aimé frère Marcelin Poléus pour le mettre les debout pour nous. Et moi j'ai une chance pour me travailler avec frère Marcelin. Pour moi ouais, il travaille dans le comité de l'église. La Bible dit c'est pour éprouver moun avant ba opposition. Cet homme est éprouvé. Sous ta ouais patience li. Frère Michel-Ange so dit qui quantité de travail il fait. Mais il y a quelques tiers qui ont glissé. Mais lors de la réunion, il a posé question. C'est un homme d'une très grande patience. Yes. Et nous dit, bon Dieu, merci pour frère Marcelin Poléus. Frère Marcelin Poléus devient membre de l'Église de Dieu Mont des Oliviers en 1981. Il s'est fait disponible pour remplir les tâches dont Dieu l'a appelé à accomplir. En 1988, il se joint aux hommes missionnaires. Il est élu 4 ans plus tard au comité du groupe pour exercer les devoirs et responsabilités de trésorier de 2001 à 2015. Il est marié avec la sœur Marcelin Poléus. Le couple a une fille, docteur Judith. Et si la famille est là, n'a pas demandé au météo debout. De 2015 à 2019, il occupe le poste de conseiller et s'évertue au-delà de cette période à aider le groupe d'hommes missionnaires à bien d'autres fonctions. En 1990, il intègre la chorale de l'église et le groupe vocal FAMO. Frère Marcelin est aujourd'hui l'organiste de l'église, une position qu'il partage avec notre pasteur Junel Attis. En 1998, il devint moniteur de l'école du dimanche et comme tel, il se consacra tour à tour à l'enseignement des classes ambassadeurs, Rebecca, Gédéon et actuellement Bethel. Frère Marcelin est aussi prédicateur de l'Évangile. En 2015, il est nommé membre du comité exécutif de l'Église pour superviser la gestion des affaires financières de l'Église. En peu de mots, c'est ici notre présentation pour notre frère Marcelin Poléus. Brother Marcelin Poléus, as Pastor Donald shared, if you want an example of what patience means, it is the life of Frère Marcelin. Long, enduring, and willing to work through things until he sees resolution. Frère Marcelin was also my Sunday school teacher when I was in Ambassade. And I can tell you he was extremely patient with those young men. Brother Marcelin Poléus became a member of Mount Olive Church of God in 1981 and made himself available to various tasks that God called him to perform. He is married to C.F.C. Poléus and Dr. Judith Poléus. In 1988, he joined the missionary men and was elected 4 years later to the group's committee to perform the duties and responsibilities of treasurer from 2001 to 2015. His daughter is Dr. Judith Poléus. He was the group counselor from 2015 to 2019. And beyond that time, he assisted the missionary men group in many other capacities. In 1990, he joined the church choir as well as the singing group FAMO. Brother Marcelin is currently the church organist, along with Pastor Ginelle. In 1998, he began teaching Sunday school and devoted time to classes including Ambassadeur, Rebecca, Gideon, and currently he is teaching the Bethel class. Brother Marcelin is a gospel preacher. In 2015, he was appointed as a member of the Church Administrative Committee to oversee the management of the financial affairs of the church. May God bless you, Brother Marcelin. Nous allons présenter nos sœurs. En temps de crise, leader émergé, soit un problème, et ou pas un leader qui émergeait,
c'est que gain problème. Et expérience point avec nos deux sœurs que nous pral présenter, li exactement dit ça. Pendant pandémie, moi témoin bien-aimé de leadership sœur Jumenez et aussi de notre sœur Velouz que nous va présenter après lui. Et nous connaissons sœur Jumenez fait ça dans un moment très difficile pendant que l'a aidé Maril qui malade et lui dévoté yon assistance, yon soutien à l'église là sans pareil. N'a demandé pour sœur Jumenez Charles mettez-le debout et nous va présenter la ville. Sœur Jumenez Charles fut baptisée dans les années 1980. Elle devint membre de l'Église de Dieu Mont des Oliviers le 19 avril 1985, avec l'intention d'être pleinement utile et engagée à s'inspirer les unes les autres et à répondre aux besoins de la communauté. Elle n'a jamais renoncé à aucune des missions que Dieu lui a confiées jusqu'à ce jour. Elle est mariée au frère Bob Luc Charles, pour les plus intimes, notre frère Bob. Le couple a une fille, Sophie. Elle est coordonnatrice et trésorière du groupe de chant FAMO depuis 1986. Elle est vice-présidente et trésorière de la chorale depuis 1986. Elle est enseignante de l'école du dimanche depuis 1989, plus de 30 ans. Elle fait partie du personnel du ministère des enfants depuis sa création en 2013. Elle a été nommée par le groupe de la jeunesse Maranatha comme maman jeunesse là en 2018. Et elle a toujours assisté aux activités de la jeunesse. Elle a été honorée en mars 2022 par le groupe de la jeunesse Maranatha comme femme du mois. Entre autres, c'est notre présentation pour notre sœur Jumenez Charles. Sister Jimenez Charles, for the youth, we know you as Sis Gigi. And over the last 24 months, as Pastor Donald shared, you've done many things before the last 24 months. Only God knows them. And to see how you held the youth ministry over the last 24 months during the pandemic, there are things that the church does not know. But every Tuesday night at 8 o'clock, you're the first one on the line to encourage the young people to pray. While you're praying that God delivers your husband, you're also encouraging the young men. And on behalf of the youth ministry, our president, Brother Emmanuel, Brother Hervé, and the rest of the committee, we thank you for the last 24 months. Sister Jimenez Charles was baptized in the 80s. She became a member of Mount Olive Church of God on April 19, 1985, with the intent to be of full service and committed to leading and inspiring one another and serving the needs of her community. She has never relinquished any of her God-given assignments. She is married to Brother Luc Charles and is raising a beautiful daughter, Sophie. She has been coordinator and treasurer for the singing group FAMO since 1986. She serves as vice president and treasurer for the church choir since 1986. She has been a Sunday school teacher since 1989. She has been in the children's ministry staff since its inception in 2013. She was nominated Youth Maranatha Mother in 2018. She was also honored as Youth Maranatha's Woman of the Month in March 2022. Sister Jimenez Charles, may God bless you. Nous applaudissons Frère Bob tout, qui campé derrière, si vous ne connaissez pas, et Sophie Soula, nous saluons Frère Bob, que bon Dieu bénisse. Jean-Moi était dit, dans temps de crise, leader émergé. Expérience avec Sœur Velouz bien-aimée, l'indicible. Nous prenons lire ça dans la biographie. Pendant la pandémie, c'était une présence constante. Ses sages conseils, son sens de discipline. Dans la vie, on a besoin de monde comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des disciplines, ou a échoué. Ou besoin de monde qui ont courage assez, qui peut dire fais bien,
avancer ou faire mal qui réprimande yo. Et Sœur Luz nous apprécier ça dans caractère ou et personnellement m'apprécier discipline nous sans devoir que on gagne la caillou. N'a pas de métro debout pendant que nous pral présenter au grand public. Sœur Marie Veluz Lima est baptisée le 10 novembre 1984. Elle devint membre de l'Église de Dieu Mont des Oliviers en 1986 et est à juste titre un instrument entre les mains du Seigneur, accomplissant des tâches essentielles et agissant comme un modèle pour les membres de la congrégation. Elle fut secrétaire de la jeunesse Maranatha pendant 8 ans, puis elle occupa le poste de vice-présidente pendant 3 ans. Mariée au frère Jude Lima, le couple a 3 enfants, Judy May, Sabrina et Nathan. Et n'a pas des familles n'a pas mettez debout. Sœur Veluz enseigne à l'école du dimanche depuis plus de 30 ans. Elle est membre du personnel actif au ministère des enfants. Elle est membre de l'équipe de louange de l'Église de Dieu Mont des Oliviers, AN d'éducation et de profession. Sœur Veluz continue de jouer le rôle de chef de file de l'équipe d'intervention médicale à l'Église de Dieu Mont des Oliviers dans les cas d'urgence. Sœur Veluz, que le Seigneur vous bénisse ou son grande addition dans l'équipe là. I feel like asking Sœur Veluz just to take her mask off, but I'm not going to do that to you. I'm going to leave you alone. But what can we say about Sœur Veluz? Me personally, Sœur Veluz, since I was a young teenage boy here at the church, you have been an example for women here at the church. And we thank you for that. You've been a great mother, sister for me as well. And as Pastor Donald just shared, in the last 24 months, you have been the CDC for my Olive Church of God. When we needed counsel, medical counsel, you were that person. And I praise God for you because there are certain decisions that we had to make as a church, and we needed someone like you, someone who was willing to tell us the consequences of our decision. So we thank God for you as well. And I pray that you forgive me sometimes for my optimism that sometimes I have. But I thank you for just working with us. Amen? Amen. Sister Veluz Lima was baptized on November 10th, 1984. She became a member of my Olive Church of God in 1986 and is a member in good standing, performing essential duties and acting as a role model to members of the congregation. She is married to Brother Jude Lima, and she has 3 beautiful children, Judy May, Sabrina, and Nathan. She has served as Secretary of the Youth Maranatha for 8 years and held the function of Vice President for 3 years. She has been a Sunday school teacher for more than 30 years. She is an active children's ministry staff member. She is a church worship team member. Sister Veluz continues to play the leadership role of MOC Medical Response Team. And she is a huge supporter of Maranatha La Jeunesse here at Church of God, my Olive Church of God. So we thank you again. May God bless you. Sœur Veluz. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces 6 personnes qui pral rentrer dans le travail sacerdotal là. Moun sa yo, nous présenter parcours non seulement dans la vie spirituelle yo, mais dans l'église là. C'est pour vous-même vous capable comprendre, c'est pas favoritisme qui mettait moun sa yo là, mais vous était déjà dans le service. Yo pote ko gon titre et c'est pas titre là que t'es fait au travail. Mais vous était travail parce que bon Dieu t'est relé. Et tout moun qui là, mon parcours personnel avec yo d'une façon ou d'une autre. Et gagne qui pi près parce que c'est famille
Et gagnons, nous travaillons ensemble depuis 1990, dans le premier comité que j'ai élu président. Et gagnons, nous travaillons de près dans l'école du dimanche et des hommes sincères. Et nous disons, mon Dieu, merci du fait que l'Église en bénit avec présence nous. Et nous prions que le Seigneur est capable de quimber nous et nous capable des instruments d'amène et que nous sommes capables de glorifier et que le peuple est capable de bénir. Avec nous, le groupe FAMO. Dans la sélection, on a fait place au groupe FAMO. Il y a deux membres qui ont ordonné à Soya, consacré à Soya. Ils ont choisi pour être capables d'honorer et glorifier le Seigneur par un chant. Le groupe FAMO. Thank you.
sans perdre de temps, nous allons inviter un candidat nous pour nous mettre au debout. Et Enoch et les saints étaient au debout. Avant de prendre les engagements qui affirmeront votre consécration au service de Dieu, je vous invite à écouter la lecture de la déclaration de foi de notre Église. Elle rappelle les vérités sur lesquelles est basée notre foi et est fondée l'Église de Jésus-Christ, Mont des Oliviers. Comme acte de foi, nous vous demandons de lui donner votre adhésion librement et joyeusement, car dites-vous bien que la fidélité à la parole de Dieu et à vos engagements est la garantie d'un ministère fructueux et béni. Nous vous exhortons à garder la foi et une bonne conscience. N'oubliez pas que cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous, pasteurs et évangélistes, diacres, diaconesses, leaders de l'Église de Dieu, Mont des Oliviers, membres de cette Église, nous croyons que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Nous croyons en un Dieu éternel existant en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils unique du Père, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, qu'il a été crucifié, mis en terre et ressuscité des morts. Nous croyons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que la repentance est le seul moyen que Dieu donne à l'homme pour obtenir le pardon de ses péchés. Nous croyons que la dîme est le versement d'un dixième de notre salaire dans la trésorerie de l'Église. Nous croyons que la justification, la régénération subséquente à la nouvelle naissance s'obtiennent par la foi au sang de Jésus-Christ. Nous croyons que la sanctification subséquente à la nouvelle naissance s'obtiennent par la foi au sang de Jésus-Christ. Nous croyons que la sainteté est un standard de vie que Dieu prévoit pour son peuple. Nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons dans le baptême d'eau par immersion, que tous ceux qui se repentent doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous croyons que la guérison divine a été pourvue pour tous à la croix. Nous croyons dans la sainte cène et le lavement des pieds. Nous croyons dans la seconde venue pré-millénaire de Jésus-Christ d'abord, pour ressusciter les morts en Christ et les enlever, ainsi que les saints vivants, et ensuite pour régner avec lui pendant 1000 ans. Nous croyons dans la résurrection corporelle dans la vie éternelle pour les justes et la punition éternelle pour les méchants. Nous croyons que la Bible défend expressément de s'enivrer de boissons intoxicantes. Nous croyons que l'utilisation du tabac et la pratique habituelle des stupéfiants sont des addictions qui souillent le corps, le temple du Saint-Esprit. Nous croyons que la Bible défend la parure d'or comme ornement ou des bijoux décoratifs tels les anneaux aux doigts et aux autres parties du corps, les bracelets, les boucles d'oreilles, les médaillons, les ornements de pierres précieuses, des métaux et de faux cheveux. Que toutes les femmes soient voilées dans les réunions. Nous croyons que le plan parfait de Dieu
pour le mariage est l'union d'un homme et d'une femme pour la vie. Nous croyons que le divorce et le remariage constituent le péché d'adultère. Et toutes ces paroles. Est-ce que nous croyons dans tout ça, nous sommes là? Gloire à Dieu. Frères et sœurs et amis, vous venez d'entendre les vœux et engagements du candidat pour être consacré et mis à part pour le saint ministère d'évangéliste et du diaconat. Si quelqu'un connaît quelque juste empêchement à ce qu'il soit solennellement consacré, qu'il le déclare maintenant ou qu'il se taise à jamais. Pas d'objection? Pas d'objection. Merci. Et maintenant, nous demandons capable de chita, mais Frère Enoch, capable d'approcher devant le podium non? Et bien, face avec l'assemblée. Hein? Et nous avons quelques questions que nous allons poser avec Frère Enoch, et lui-même est capable de répondre. Frère Enoch, pensez-vous au fond de votre cœur être vraiment appelé à l'ordre et au ministère d'évangéliste selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et conformément aux lois de cette Église? On est capable de faire nos micros, s'il vous plaît. Parce que nous voulons toute l'Assemblée. Oui, je pense. Gloire à Dieu. Êtes-vous convaincu que les Saintes Écritures contiennent toute la doctrine requise comme nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus-Christ? Et êtes-vous résolu d'en tirer les instructions que vous donnerez à ceux qui sont commis à votre charge et de l'enseigner comme nécessaire au salut, que ce que vous pouvez avancer et prouver par elle? Oui, je m'en suis convaincu et résolu avec la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Voulez-vous administrer avec une sollicitude constante la doctrine, les sacrements et la discipline du Christ, comme il nous l'a commandé et comme cette Église les a reçus suivant les commandements de Dieu, afin que vous puissiez avec diligence enseigner à ceux qui sont à vos soins, à les garder et à les observer? Oui, je le veux selon le Seigneur. Serez-vous prêt en toute fidélité à bannir et à écarter de l'Église en toute doctrine erronée et étrangère, contraire à la parole de Dieu, à démontrer et exhorter en public et en particulier ceux qui sont malades et ceux qui sont en santé dans les limites de votre cure selon que les besoins s'en fera sentir et que l'occasion vous en sera donnée? Oui. Je le veux, le Seigneur m'aidant. Vous consacrez-vous à la prière et à la lecture des Saintes Écritures et à telle autre étude qui en facilite l'intelligence et qu'apprend toutes celles qui ont trait au monde et à la chair? Oui, je m'efforcerai de le faire avec l'aide de Dieu. Voulez-vous entretenir et faire avancer autant qu'il dépend de vous la tranquillité, la paix et l'amour parmi tous les chrétiens et particulièrement parmi ceux qui sont commis à votre charge? Oui, je le veux, le Seigneur m'aidant. Que le Dieu Tout-Puissant qui vous a donné la volonté de faire toutes ces choses vous accorde aussi la force et le pouvoir
déjà accompli afin qu'il puisse achever l'œuvre qu'il a commencée en vous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frère Enoch, vous avez solennellement promis devant Dieu et devant cette assemblée d'enseigner et de prêcher la parole de Dieu, d'accomplir les devoirs de votre charge comme un simple serviteur, avec humilité, avec dévouement et avec désintéressement, d'être un modèle du troupeau en conduite, en amour, en patience, en foi, en pureté. Moi, en vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile, selon votre engagement solennel et au nom du chef suprême de l'Église universelle, je vous consacre au saint ministère au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, nous invitons Pasteur Nouyo et Capaban Joël, ensemble avec le compagnon Frère Enoch, va mettre à genoux et Capaban prier pour Frère Enoch. Pendant que nous avons procédé à la cérémonie, nous avons chanté le premier couplet du cantique 134 français du recueil des chants d'espérance. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Capable, tous les regards ouverts, assemblés
et puis répondre avec les questions. Alléluia. Bien-aimés, croyez-vous en votre âme et conscience que c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit que vous prenez sur vous cet office et ce ministère afin de servir Dieu pour l'avancement de sa gloire et pour l'édification de son peuple? Oui, je le crois. Gloire à Dieu. Êtes-vous persuadé que les sept Écritures contiennent toute la doctrine requise comme nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus-Christ? Oui, je le crois. Gloire à Dieu. Voulez-vous lire diligemment ces sept Écritures au peuple assemblé dans l'église de Dieu, Mont des Oliviers, où vous êtes appelé à servir? Oui, je le veux. Voulez-vous vous appliquer avec diligence à façonner et à régler votre vie et celle de votre famille suivant la doctrine du Christ et à devenir, vous et les vôtres, autant qu'il dépendra de vous, des exemples salutaires au troupeau de Christ? Oui, je le veux, le Seigneur est là. Ah, Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez pris solennellement devant Dieu et devant cette assemblée l'engagement de remplir la fonction de diacre et de diaconesse dans l'Église et de vous consacrer fidèlement au service du Maître. Moi, en ma qualité de ministre de l'Évangile, je vous établis diacre et diaconesse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis et fortifiés de la part de l'Éternel. Et maintenant, nous allons inviter et tout diacre et diaconesse nous, pendant que ce bien-aimé-là a joué, et nous tous nous allons entourer pour que nous soyons capables de prier pour nous. Vers le chemin du travers est étroit et périlleux. Vers le chemin du travers est
Papa, capable de répandre grâce et bénédiction au Dieu sur ses saints. Même Jean, papa, où tu es fait, oh papa, pour les sept que tu as choisi, éternel, mon Dieu, dans l'église primitive pour te desservir le peuple. On va bailler sagesse, on va bailler l'intelligence, on va bailler esprit de discernement, on va bailler esprit d'amour. On va remplir, ô éternel, mon Dieu, avec des dons particuliers, Seigneur Dieu, pour le ministère, afin que Père soit capable de rendre, Seigneur Dieu, travail ou papa effectif, gens que vous-même ouvrez, afin que non, Seigneur Dieu Tout-Puissant, capable de glorifier et louer pour ça où il est, pour ça où vous faites et pour ça où vous va continuer à faire encore. Papa, attendez, crie-nous. Acceptez, Seigneur Dieu, favorablement, papa, nos prières. Oh Dieu, fasse aujourd'hui, papa, pour ces bien-aimés frères et sœurs qui pourraient aller engager, oh, éternel bon Dieu, dans le ministère-là. Papa, c'est comme ça, Père, nous te prions. C'est pas que nous bons, ni nous dignes, ni nous méritons. Mais demandons toute grâce à eux. Dans le nom de Jésus, les mêmes qui vivent. Et qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes capable de reprendre place, que mon Dieu bénisse nous. Mon Dieu fortifie nous. Gloire pour le suivre pas à pas. Dieu. Avec lui, joie et victoire. Et honneur, c'est pas. Sous pour servir en l'église de Dieu, mon des oliviers. Et dans un moment, ça nous pour aller faire appel à eux-mêmes pour recevoir un certificat. Et chaque nous va gagner un évangéliste, premièrement, nous va faire. Et premièrement, nous va demander évangéliste Bizer Philippe. Pour lui accompagner évangéliste Enoch pour avancer, pour recevoir des certificats. Et nous demandons à l'Église de battre un bravo. Thank you.
les diacres et les diaconesses pour recevoir le certificat. Les fait appel à eux-mêmes, ils vont tout aligner devant parce qu'ils ont plusieurs. Et là, que nous sommes capables de les finir, nous battons bravo pour eux-mêmes et pour le travail du Seigneur. Nous avons demandé avec Sœur Diaconesse Lucie Antoine, il va accompagner Sœur Vélouze Lima. Diaconesse Marie-Anne Saint-Victor va accompagner Diaconesse Jiménez Charles. Avec un diacre Jean-Bertin, lui, va accompagner frère diacre Silas Charles. Maslin Police. Gary Hiller. Conféré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde. Maintenant, nous sommes capables de reprendre place nous et avec nous, Pasteur Olich. Amen. Au nom de l'Église de Dieu, mon des Oliviers, nous saluons tout le monde qui a pris le temps pour venir participer à service de consécration de nos frères et sœurs. Nous remercions du fait que vous avez pris le temps ça. Nous saluons les pasteurs qui sont assemblés, les ouvriers, les anciens membres, les membres de la famille qui n'ont pas fait partie de l'Église. Là. Nous saluons. Et nous connaissons un pile membre de l'église d'Antioche qui venait pour capable
et accompagner l'évangéliste Enoch. Nous saluons dans le nom de Jésus. Avant que nous capables d'entendre le pasteur Donald Luxama dans la prière finale et le pasteur Monel Fleurimont dans la bénédiction, on a invité l'assemblée à mettre le debout. Nous allons chanter le cantique 17 français du recueil des mélodies joyeuses à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Thank you.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. En nous levant voix, nous pour nous dire bon Dieu merci. Et proclamer une bénédiction sous serviteurs et servantes nous. Seigneur, nous approcher devant toi nous pour nous dire merci. En ce grand jour, ô Dieu d'amour, nous suivons l'exemple biblique, nous suivons la tradition chrétienne que tu as quitté pour nous, ô Dieu d'amour. Parole a dit après, yo te fin imposé yo main, yo prié pour yo présenté yo à l'église dans leur nouvelle fonction. C'est ça nous fait assouer à au Dieu. Et parole ou dit, l'église a te connu yon expansion. Nous m'en d'autant plus, Seigneur, ou va mettre sauce sous chaque ministère sa yo, ou va bénir chaque bien-aimé sa yo, qui engage yo, yo pas camper de loin y'a gardé, yo pas critiquer, mais yo engagé yo dans le service et dans le travail. Assoya, ou même qui se boue soucio, ou même qui fait provision pour yo, nous m'en va armer yo, armer bras yo, armer cœur yo, oh Dieu d'amour, armer yo pour le travail, fonctionner yo, remplir yo, bon Dieu vivant, yo va des serviteurs puissants, yo va des diacres puissants, à l'instar d'Étienne, oh Dieu d'amour, que l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu, Dieu vivant, alléluia, va remplir yo chaque jour dans ministère ça. Mando tabli Seigneur, va bénir yo, bénir travail yo, bénir parcours yo, bénir famille yo, ô Dieu d'amour. Nous disons merci pour l'église de Dieu, mon des Olivier. Merci d'être que Dieu ouvrit sous peuple ça, ô Dieu, ou susciter des relèves, ou susciter la relève générationnelle, ou susciter la relève ministérielle. Nous disons merci Seigneur et souhait à nous remercier encore pour notre bien-aimé frère Enoch, ô Dieu. Nous demandons autant prie, Seigneur, va bénir travail, va bénir ministère, Seigneur, à l'instar de Philippe qui est rentré à Samarie, lui prêcher le Christ, va mettre un message dans bouche-lui, un message de salut, un message de salut, des âmes va sauver, il va passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la liberté que Jésus bâille. Assoya dans le nom de Jésus. Assoya dans le nom de Jésus. Nous annoncer alléluia. Même Jean-Paul a dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de tes serviteurs. Assoya nous dit Haïti, frère Enoch rivé sous haut. Au nom de Jésus. Jamaïque, frère Enoch rivé sous haut. Bahamas, frère Enoch rivé sous haut. Mes pieds serviteurs là. Ouais, la foulée, ces lieux. La foulée, ces pays, la foulée ces pays, la foulée ces pays, la annoncer Jésus, la annoncer Jésus, la annoncer Jésus. Moi ouais, lumière la accompagner lui dans les rues d'Orange. Moi ouais, lumière la accompagner lui dans les rues de Irvington. Moi ouais, lumière la accompagner lui dans East Orange, de porte en porte. Moi ouais, les pieds de notre serviteur cap annoncer les bonnes nouvelles. Mando va bénir lui, bon Dieu vivant, on va accompagner lui pendant toute le reste. Dans le ministère, ça, c'est cri nous, c'est pétition nous, c'est intercession nous, avec amour dans le cœur nous, nous accueillons, nous embrassons, nous recevons, nous baillons la main d'association, la main de collaboration pour ce travail. Va faire ça au Dieu, non pas dans le mérite pas nous, mais par les mérites de ton fils Jésus, lui-même qui a vivre et qui a régné pour tout temps. On dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. On dit alléluia, alléluia. Merci Seigneur, recueillons-nous pour la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face envers vous et qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Capable d'embrasser. Thank you.